Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 28 mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Et vous savez que tout passe par la pensée. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé, tout est possible. Ma vie est parfaite. Elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création, tout comme la forme géométrique sacrée, n'est-ce pas, de la fleur de vie. Pour certains d'entre vous, vous n'y croyez plus ou vous n'y croyez pas. Les miracles existent. Et grâce à la fleur de vie, eh bien, on vous demande de vous libérer de vos angoisses. Peut-être que vous êtes angoissé devant la perte de contrôle. Peut-être que vous êtes angoissé parce que vous n'avez plus le contrôle. Et on vous demande d'être réceptif et flexible. Alors, moins tu attendras, plus des miracles peuvent avoir lieu. Tu es tellement dans un contrôle que tu es à l'affût. Vous savez, je vais prendre l'exemple d'un couple qui désire avoir un enfant et qui font tout pour avoir un enfant et ça n'arrive pas. Et ils sont tellement centré sur ça que ben il y a rien qui se passe. Et puis il y a un jour où ils lâchent prise. Ils font se lâcher prise. On n'est plus dans le contrôle. Et là, le miracle est là. Cette belle dame est enceinte, attend un bébé. Eh bien voilà, tout est possible. Les miracles existent. Les miracles peuvent avoir lieu. Alors, pour certains d'entre vous, tu as déjà énormément progressé sur cette belle voie de développement personnel. Tu as fait du chemin. Quel beau parcours. Et cette carte, eh bien, elle t'indique qu'un moment de ta vie est arrivé où toutes les portes te sont ouvertes, où tous les chemins te sont possibles. Et c'est à toi à choisir où va être, où pars-tu voyager. Où ce voyage va t'emmener? Tout est possible, il n'y a aucune restriction présentement, quels que soient tes désirs, n'est-ce pas? Ou les objectifs personnels que tu portes en toi. Eh bien, le temps de leur réalisation est à présent venu. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Tout est possible. Tes efforts, parce que tu en as fait des efforts, ta persévérance, ta confiance en soi, en toi, toutes les étapes du développement que tu étais prête à endosser, eh bien, elles seront maintenant récompensées. Tu as libre choix. Tu es ton libre arbitre. Tu reçois tous les appuis que tu peux imaginer, tout autour de toi. Alors, que désires-tu? Tu peux être confiant, très confiant. Tes vœux seront exaucés. Pour ton
plus grand bonheur. Sache que tout est possible, n'est-ce pas? Sois ouvert à des issues inattendues, à des retournements de situation incroyables que tu ne t'y attendras même pas, à des rencontres sensationnelles. Peut-être que sur une certaine chose, voilà, tout est bloqué, eh bien il va avoir un élément qui va faire que ça va se débloquer. Tout est possible, les miracles existent. Vraiment, aie confiance. Laisse couler cette belle énergie. Sois ouvert, vraiment, sois ouvert à l'inattendu. Waouh, waouh, waouh. Eh bien voilà, c'est une carte très, très, très positive, n'est-ce pas? On termine avec le petit oracle des couleurs et c'est rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure, mais bien sûr, tout est possible à partir du moment où on le veut au plus profond de soi, où on sème pour récolter, on sème du bon, pas du mauvais, parce qu'autrement on va récolter du mauvais, n'est-ce pas? On sème du bon, on sème des bonnes graines. Eh bien, aujourd'hui, dans les jours qui vont arriver, tu vas récolter ce que tu as semé. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.